Donc, notre expérience, c'est celle d'une communauté de pratique épilepsie et handicap initiée sur la région Bretagne et Pays de la Loire. Donc, cette expérience, plus concrètement, c'est la création d'un espace de rencontre, de partage et de production de ressources pour tous les acteurs, aidants, familles, professionnels, personnes concernées, qui cherchent à se sentir soutenus et à mutualiser et partager l'information concernant l'épilepsie et qui cherche à agir pour une amélioration de la qualité de vie et d'accompagnement des personnes épileptiques. Donc, c'est un espace de partage, mais c'est avant tout une réponse de terrain aux besoins du terrain. En fait, cette communauté de pratique épilepsie et handicap, elle a été initiée en réponse à une étude repère, qui était une étude épidémiologique conduite par FAR, Centre national handicap rare épilepsie sévère, qui a été conduite auprès de plus de 700 établissements médico-sociaux de la région et qui a permis de repérer plusieurs besoins des structures pour répondre aux situations complexes combinant épilepsie et troubles associés. Par exemple, les répondants ont exprimé, dans le cadre de cette étude, leurs difficultés sur l'appréciation des manifestations épileptiques, sur la gestion des crises, sur le manque de connaissances sur l'épilepsie, le manque de savoir-faire et de formation, etc. Et donc, suite à cette étude, FAR et ses partenaires ont souhaité apporter des réponses à ces attentes exprimées. Donc, c'est important parce que cette initiative, elle naît de constats de terrain. Et puis après, au fil de l'eau, c'est une réponse par tous, pour tous. C'est-à-dire que ça se construit à tout moment, chemin faisant par les membres eux-mêmes. Donc, cette communauté de pratique, elle regroupe des acteurs de multiples horizons, des professionnels volontaires du médico-social et du sanitaire, des politiques, des représentants d'associations, des familles, des personnes concernées, tout engagées professionnellement ou bénévolement dans ce projet qui est de partager des savoirs d'expérience, du vécu, de la transmission de connaissances sur les questions d'épilepsie. Ce qui nous semble important de retenir pour exposer cette expérience, c'est qu'elle va au-delà des actions habituelles de mise à disposition d'informations ou de capitalisation de la connaissance. Elle a vraiment un rôle, cette communauté, de rassurer les membres sur leurs pratiques professionnelles, de les aider à savoir agir concrètement et à trouver la bonne posture et pérenniser les savoirs d'expérience au moyen de traces, de collectes que font les groupes d'échange tout au long de leurs travaux au sein de la communauté. Pour être plus clair, la communauté de pratique épilepsie handicap, elle s'est construite autour de trois axes principalement, que sont le partage des savoirs d'expérience, le soutien des personnes concernées, des familles et des professionnels et le développement des réseaux et des compétences. Autrement dit, pour clôturer cette question-là, c'est qu'il s'agit surtout, au travers de cette communauté, de créer un nouveau réseau de partage et de connaissances en ce qui concerne l'épilepsie. Et c'est une expérience qui est un véritable dispositif apprenant, qui soutient la circulation et la permanence d'accès à des connaissances en épilepsie. Et aussi un véritable dispositif d'intégration, c'est-à-dire que cette expérience mêle des membres d'horizons différents, qu'elle propose des espaces nouveaux en dehors de l'institution. C'est une nouvelle culture qui s'instaure et qui facilite la connaissance et l'interconnaissance entre les acteurs et donc qui facilite les rencontres et par-delà, qui facilite les collaborations. Donc, c'est-à-dire que de par son caractère innovant et les espaces qu'elle offre, les interactions sont la plupart du temps assez facilitées et ce qui permet de rencontrer des gens d'une autre manière et ça donne des nouvelles envies de collaboration. Tout ça dans un cadre sécurisant et engageant. Concrètement, ça s'exprime à travers le développement et l'enrichissement d'une base de connaissances et d'expériences. On a d'ailleurs une plateforme collaborative numérique qui soutient cette base commune de connaissances. Ça se traduit aussi par une production continue de ressources et d'outils. Donc, on a une production de webinaires par les membres, on a une production de mallettes pédagogiques, tout type de ressources. Ça se traduit aussi par une culture de l'entraide et des savoirs coopérés. Les gens se réunissent en visio ou en présentiel et discutent entre eux, échangent, partagent. Et puis, grosso modo, autour de tout ça, c'est une réelle synergie entre acteurs et une intelligence collective qui se crée au fil de l'eau pour une mise en patrimoine assez dense des expériences et du vécu de chacun. Et le tout, on le soutient, donc FAR, hein, qui est pilote de l'action avec ses partenaires, on le soutient avec de la formation, parfois des programmes de recherche-action, et puis aussi une animation en continu. D'ailleurs, moi, je suis animatrice de la communauté de pratique et je soutiens quotidiennement les membres dans leurs propositions, leurs actions et leur mise en patrimoine des ressources.
Alors, les problèmes et défis rencontrés. Alors, nous, on aime mieux le mot défi que problème, puisque depuis la communauté de pratique a été initiée en 2017 et on n'a pas rencontré depuis 3 ans de problèmes majeurs. Par contre, des défis, beaucoup. Et ils ont été nombreux, puisque depuis 3 ans, tous ces membres qu'on vous a cités, que sont les personnes concernées, les aidants, les professionnels, ils s'investissent au quotidien dans plein de choses, dans des groupes de travail, dans des temps forts, dans de la production de webinaires, dans la création d'outils. Et tout ça, au quotidien, ça génère une diversité d'activités qui s'organisent en autonomie ou sous l'impulsion ou l'aide de l'animateur. Ça génère une activité dense, il faut savoir et être en capacité de la soutenir. Donc, c'est déjà un défi. Et puis, on a souhaité aussi les soutenir en mettant en place une plateforme collaborative qui facilite le partage et la diffusion des ressources au travers de cette solution numérique. Et là aussi, ça nous demande de l'alimenter, de faire pas mal de choses autour de ça. Mais le principal défi n'est pas là pour nous. Le grand défi de la communauté, c'est celui de décaler notre regard à chaque moment. En fait, les familles, les personnes concernées, les professionnels de multiples horizons nous invitent à décaler notre regard, à faire des choses qu'on ne faisait pas avant ou à les entrevoir d'une autre manière. Et ça, c'est sans doute lié à l'atypicité du modèle de notre communauté de pratique. Mais je vais laisser Isabelle vous parler de cette atypicité, justement, qui pour nous représente le premier défi. Merci Charlène pour ce passage de parole. Alors, en effet, notre observation de la communauté de pratique épilepsie et handicap en tant que chercheur montre que ce n'est pas une communauté de pratique comme les autres, et c'est en cela qu'elle va constituer un vrai challenge. Alors, lorsqu'on s'intéresse aux communautés de pratique en théorie, la première question qu'on va se poser, c'est de savoir si la pratique va faire la communauté ou si au contraire la communauté va faire la pratique. Et avec la communauté de pratique épilepsie et handicap, c'est complètement différent. Parce qu'au départ, il existait une très grande diversité de pratiques liées à la diversité des intervenants dans la prise en charge de l'épilepsie et du handicap, ainsi que dans la complexité des cas d'épilepsie. Donc, la pratique restait à construire ensemble. Et cette diversité des intervenants se traduisait également par une très grande diversité de leurs besoins, de leurs attentes, des enjeux et de leurs expériences. Et avant de pouvoir faire communauté, il était important d'apprendre à se connaître et à se reconnaître. Donc, le challenge de la communauté de pratique se retrouve donc dans cette nécessité de construire chemin faisant à la fois la communauté et la pratique. Cette communauté va donc s'inscrire dans une dynamique d'apprentissage permanent. Au fil du temps, les membres vont apprendre à construire une identité commune, une volonté d'agir ensemble, et c'est cette ambition commune qui va favoriser l'engagement de tous. Les membres apprennent également à développer un répertoire partagé qui va composer des ressources qui vont être essentielles à leurs actions. Et je vais laisser maintenant la parole à Charlène pour vous expliquer quels sont les changements induits par ce challenge. Ben merci Isabelle de me redonner la parole. Donc ça va être très rapide parce qu'il nous faudrait plusieurs jours pour vous expliquer tous les défis qu'on a aimé relever au sein de la communauté de pratique. Mais effectivement, cette atypicité dont parle Isabelle, elle nous invite à créer des outils, des supports, des nouvelles ressources à chaque instant pour venir soutenir les membres. Parce que comme tu l'expliquais, Isabelle, ça demande quand même une acculturation importante. Les gens sont de fonctions, de statuts et d'institutions différentes. Et donc, du coup, ça demande une acculturation permanente. Et nous, on a à les soutenir avec des outils, des formations, des travaux particuliers qui leur permettent de gagner en autonomie. L'acculturation, c'est aussi au niveau des outils numériques parce que, notamment dans le secteur médico-social, les pratiques autour du numérique sont encore parfois récentes ou jeunes. Et donc, du coup, on n'a pas, c'est pas toujours aisé pour tout le monde. De communiquer en visio, de faire des réunions, d'aller à des événements en ligne, etc. Donc, on a aussi à accompagner ça. Donc, on a plusieurs défis autour de l'atypicité du modèle et de ses membres. Et donc, du coup, on a tout un travail pour permettre une acculturation autour de cette communauté de pratique. Et ça constitue tous les défis qui nous entourent au quotidien. Alors, c'est une question pas si facile. Nous, la question de la transposition, elle se joue pas forcément au niveau des établissements, mais plus au niveau des territoires et des acteurs de ces territoires. Si ce n'est que au niveau des établissements, quand un établissement envoie un professionnel, enfin, ou accepte qu'un de ces professionnels rejoigne la communauté de pratique, il y a forcément une transposition puisque du coup, le professionnel va
va apprendre des choses, capitaliser de nouvelles ressources, des inspirations nouvelles, et quand il va retourner dans l'établissement, eh bien, il va transporter tout ça avec lui. Mais sinon, oui, on envisage plus une transposition au niveau d'acteurs sur un territoire, et cette question, on l'a en tête depuis le départ, et c'est pour ça qu'on a cherché à s'inscrire dans une démarche de méta-analyse. On a, depuis le départ de la communauté de pratique, sollicité des équipes de chercheurs en sociologie des organisations, et en formation pour nous accompagner à prendre du recul, de la hauteur et observer la communauté de pratique et en tirer des enseignements. Donc aujourd'hui, on ne saurait pas vous donner un mode d'emploi, ce ne serait même pas le but hein, à ce stade, mais on a recueilli plusieurs éléments qui nous semblent intéressants à lire et à comprendre pour envisager des transpositions, car la COP nous semble donner effectivement de véritables pistes pour engager de nouveaux réseaux et dynamiques apprenantes sur les territoires, dans le secteur du médico-social, du sanitaire. Donc dans une communauté de pratique, pour nous, ce qui est à transposer, ce n'est pas forcément le fonctionnement, mais plus la compréhension des dynamiques internes à une communauté de pratique qui sont les démarches de partage et de création de la connaissance. Donc il y a des transpositions possibles, mais pas forcément celles que l'on croit ou que l'on voit au premier abord, mais je vais laisser Isabelle vous en dire plus sur ces éléments d'analyse concernant la transposition. Alors oui, effectivement, comme le souligne Charlène, la transposition du modèle de la communauté de pratique épilepsie et handicap n'est pas aussi simple que cela, et notamment parce que c'est une communauté de pratique particulière, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Elle va nécessiter de se questionner sur un certain nombre de points, et bien sûr, il sera important d'apporter des éléments de réponse à ces différents questionnements, aussi bien au début, avant le lancement, que durant toute la vie de la communauté de pratique. Car comme nous l'avons vu, la communauté de pratique va se construire chemin faisant. Donc si la nécessité d'un engagement peut être un point de départ, il va répondre à un besoin exprimé par les intervenants d'un territoire qui peuvent constituer le noyau initial, mais qui peut également évoluer avec l'entrée et la sortie de différents membres. Ces questionnements successifs sur cet engagement permettront alors de passer de l'intérêt de faire des choses ensemble à une véritable ambition collective. Mais la communauté de pratique, c'est également des dynamiques d'apprentissage continu, comme on l'a vu, où les savoirs vont sans cesse se renouveler. Et c'est cette spirale de connaissances qui va supposer de questionner à la fois les expériences de chaque membre, mais également la façon dont la communauté peut se saisir de ces expériences et les formaliser pour ensuite les diffuser sur le territoire. Enfin, c'est parce que la communauté n'existe qu'à travers ses membres qu'il va être important de questionner leur participation et notamment ce qu'ils peuvent retirer de cette communauté. Et je vais redonner la parole à Charlène pour qu'elle vous donne les implications concrètes de cette transposition d'un modèle un peu particulier qui est la communauté de pratique épilepsie et handicap. Merci Isabelle. Donc, dans cette communauté de pratique, c'est ce qui nous semble intéressant à transposer, ce sont surtout les dynamiques d'apprentissage entre acteurs issus des différents champs. Il y a plein de choses à transposer. Chacun peut lire à son niveau plein d'inspiration au sein de la communauté de pratique et choisir de transposer. Après, nous, ce qu'on retient, c'est vraiment ces dynamiques d'apprentissage un peu nouvelles entre acteurs qui nous semblent intéressantes à transposer, notamment dans le champ du médico-social. Et on a pu les repérer grâce aux équipes de chercheurs qui nous ont accompagnés, ils nous ont aidés à prendre de la hauteur. Et là, en ce moment, on est en train de les compiler dans un guide de déploiement qui est en cours de réalisation et qui est justement un des outils que l'on souhaite proposer aux acteurs qui souhaitent proposer des communautés de pratique ou s'en inspirer, ou tout acteur qui souhaite engager des dynamiques apprenantes. Donc pour transposer l'idée, c'est sans doute pas de chercher à faire exactement la même chose, mais se saisir et comprendre ces dynamiques apprenantes que sont essentiellement les dynamiques d'apprentissage au sein de la communauté. Et par rapport à ça, on a ce guide de déploiement qu'on va réaliser et aussi on développe actuellement différents outils d'accompagnement. Et on est prêt à en échanger auprès des acteurs intéressés par ce type d'initiative. Voilà.